Bonjour les amis, bienvenue, je suis Xem. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle partie de mon let's play sur The Last of Us Part 2. On est toujours avec Ellie. Apparemment, je suis dans un hôpital. Donc, je pense que c'est encore un souvenir. Vous avez laissé tout un tas de trucs. C'est un souvenir parce que c'était marqué 2 ans plus tôt. Voilà, donc je pense que c'est peut-être l'hôpital dans lequel elle était arrivée avec Joël, je crois. J'ai l'impression que c'est ça. Dans le 1, où les scientifiques devaient examiner Ellie et tirer de son corps un vaccin contre le virus qui a contaminé tout le monde. Allez. Il doit bien y avoir quelque chose. Donc on va bien voir si elle va trouver quelque chose, voilà, parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit au courant de ce qui s'est passé, de ce que Joël a Vous êtes tous fait. partis. Voilà, donc elle, je pense qu'elle pense que les autres sont partis, c'est tout, sans vraiment savoir ce que Joël a pu leur faire. C'est que ça. C'est quoi ça? Ah mais c'est elle ça. Demain, à la même heure, on aura bouleversé le cours de l'histoire. Oh. Alors, retourner. J'espère qu'on va pas encore. Voilà, donc c'est bien l'hôpital dans le 1. J'espère qu'on va pas encore s'amuser à devoir courir et à échapper à quelque chose ou poursuivre quelqu'un parce que déjà. Ok. Donc déjà, pour avoir poursuivi Nora, ça a mal fini. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donne. Je sais que ça me fait plaisir d'avoir catalogué et récupéré tous ces équipements rares d'hôpital. Et à peine j'ai fini qu'on. On me dit que c'est plus la peine. Putain, j'arrive pas à croire que vous ayez voté notre dissolution. Ok, c'est un petit miracle et on l'a laissé s'envoler. C'est de la merde. Mais le monde entier est dans la merde. Comment baisser les bras comme ça? Et maintenant, on s'installe dans la ZQ. On installe les ZQ. On rejoint des groupes de résistants pour plutôt crever. Il faut bien que quelqu'un sorte. Ok, donc je pense qu'il parle de Ellie et Joël. Scott. Signe de fichiers partout. C'est
C'est vraiment un enculé ce jeu, n'empêche. Même si c'est un personnage que j'adore dans le jeu, s'il avait laissé faire, il n'y aurait pas eu deux. Oups. La plupart des gens sont déjà partis. Je sais pas avec quel groupe je vais aller. J'étais avec ceux qui voulaient prendre en chasse le contrebandier. Et la fille. D'après les autres, même si on la trouvait, ou si par miracle, on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne capable de créer un vaccin est morte. Si par miracle, on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. Si par miracle, on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne... Oups. Allez! Elle sait. T'es complètement folle. Tu peux pas te barrer comme ça en pleine nuit. T'aurais dû me prévenir. Au lieu de me laisser un mot à la con. Ouh là là. Ça va chier. Dis-moi. Ce qui s'est passé ici. Tu mens encore une fois. Je me tire. Et tu me reverras plus jamais. Mais si tu me dis la vérité, je retourne à Jackson. Peu importe ce que c'est. Allez, dis la vérité. Joël. Fabriquer ce vaccin. Ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Donc elle sait.
Comment ces vêtements ont fait pour rester aussi propres? C'est impossible. Alors, est-ce qu'on peut se voir? Dina? Donc, Jesse? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire tous les deux? Sont-ils en train de flipoter ensemble? Faites la guerre, pas l'amour. Tiens, regarde Joël. C'est ton préféré. Donc tu es au courant, mais tu veux quand même le danger. Ils vont être en train de faire des bisous. C'est bizarre cet endroit, t'as l'impression qu'il y a plein de trucs pour éviter, s'évader, se cacher, des merdes comme ça quoi. Je vais arriver là. Donc c'est là-bas. Dina? Jesse? Moi, je pense qu'il y a des gens qui t'attendent avec Dina et Jesse. Ils sont où tous les deux? Non. Je veux voir ce que sont en train de faire Dina et Jesse. Elle a eu une sale nuit. Même l'eau ne passait pas. T'aurais dû me réveiller. Elle est enceinte. Je comprends pourquoi t'es ici. Mais il faut qu'on la ramène. Elle a besoin de soins et elle sera pas capable. Oui, je sais. Je sais. Mais je peux pas abandonner Tommy. Il est ici à cause de moi. Tu pourrais peut-être la ramener. Elle partira jamais sans toi. Chercher Tommy. L'aquarium dont cette fille t'a parlé. On n'aura qu'à attendre là-bas. Jusqu'à ce que Tommy trouve Abby. Et ça te gêne pas de laisser Dina toute seule? Ce sont ses ordres. Ok. On va lui dire qu'on part alors. Je te rejoins devant.
Salut. Salut, toi. Il faut que tu viennes fermer la porte. Ok. En route. D'après ta carte, l'aquarium est sur la côte. Ça devrait être par là. Ouais. Oh. Comment on fait pour rester au sec dans cette ville? Il va falloir que j'essaie de garder les yeux ouverts, parce que la pluie, je crois que c'est le truc qui me fait dormir instantanément. Ok, vas-y. Ok. Merci. Apprécions un peu la pluie. Ouais. T'as dit à Dina ? On espérait trouver Tommy à l'aquarium. Je lui ai pas dit que tu savais. C'est ça que... Non. L'aquarium, c'est une base Wolf ? Non, je crois pas. Nora a dit qu'Abby se cachait là-bas. Elle a dit pourquoi ils avaient fait ça ? Ouais. Joël s'est brouillé avec des lucioles. D'anciennes lucioles, maintenant. Ah ouais ? À cause de quoi ? Ils faisaient du trafic avec eux. Et ils se sont engueulés à cause de... la marchandise. Une bagarre a éclaté, il y a eu des morts. Je suppose qu'ils ont voulu se venger. Merde. Ça change quelque chose pour toi ? Non. Au fait, j'aimerais bien mettre une chose au clair. Quand on aura trouvé Tommy, tu seras d'accord pour rentrer ? Ouais. Et tu laisseras quelques-uns de ces enfoirés en vie ? Il faut que Dina rentre à Jackson. Ok. On est d'accord. On y va. Niveau munitions, c'est un petit peu la merde. On va rester avec ça. Tranquille, mon ami, je veux juste regarder ce qui se passe. Mais franchement, au début j'aimais pas du tout le jeu, enfin, je l'aimais sans plus, mais plus j'y joue, plus je trouve qu'ils ont fait un super travail. C'est propre, c'est bien fait, c'est réfléchi, c'est pas trop difficile. Bon. Il est rentré sans casser les trucs, donc je pense que j'aurais pu rentrer par là. La difficulté est correcte. Les actions sont cohérentes. Ouais. Tu vois de la lumière par là. J'apprécie de plus en plus ce jeu. C'est coincé ? Ouais. Mais attends, moi je suis rentré là-dedans, c'était juste pour regarder, hein, il y a quoi dehors ?
Oui, d'accord. Bon, c'est pas la peine. Je te l'avais dit. Ouais. Je vérifiais, c'est tout. Tu crois qu'ils vont foutre la merde à Jackson après ça? Hein? Comment ça? Ah bah, on aura buté pas mal d'entre eux. Et dans leur ville. Oui, mais c'est de leur faute. Mais Abby et ses potes sont pas venus à Jackson à cause d'un truc qu'a fait Joël? Mais ici, c'est pas comme Jackson. Joël et Tommy ont aidé Abby quand elle s'est fait attaquer. Eux, ils essaient de buter tout le monde autour d'eux. T'as bien vu, ils t'ont tiré dessus sans hésiter. Ouais. C'est vrai. Quelques jours seulement. Tu l'aurais vu quand on est arrivé ici. Elle a défoncé un paquet de wolf. Tu serais resté sur le cul. Faut pas la chercher. Oh. Explosif. Toujours penser à recharger ses armes là-dedans. Ok, alors. Oh. Je passe pas là. Tu fous de ma gueule, toi, non? De cette carte. Je sais pas si j'ai assez de points pour faire quelque chose, je m'en fous pas. Ouais, non plus ça, comme si c'était. De tir, de fil à pompe, ça. Par contre, ça, je vais bien continuer à l'équiper. On va perdre des points pour ça. Tendu ici là non? Qu'est-ce que tu fais encore? Je suis pas de merde. Je vais faire des flèches, bien entendu. Mais je garde mon pistolet. J'ai fait un peu de la merde avec mes munitions, moi j'ai tout utilisé pour à cause des scars dans la forêt là. Je crois que c'est ça. Hein. Donc en termes de gestion de munitions, je suis un petit peu mal.
Ok. Ramener le peu de zombies ou de méchants qui restent ici. Dis-moi juste. Pourquoi elle m'a rien dit? Pour le bébé. Écoute. Je suis sûre qu'elle t'en parlera quand. Qui t'a dit ça? Le chef en service. Merde. La dernière fois, ce sera pas. Choix de toute façon. Pense plutôt à ce qui va changer si on réussit. Du coup, c'est très bien. Et voilà le travail. C'est Wolf. Ils ont la gâchette facile. Un petit peu fait de la merde. Ils sont en guerre contre ces fanatiques à la con. Je les ai entendus en parler. Des séraphines, un truc comme ça. Séraphites. Moi, je les ai entendus les appeler Scar. T'en as croisé? Non. T'as de la chance. Ouais, parce que c'est des fous. Des munitions d'armes de poing parce que ça va pas du tout là. Voilà, merci. On va garder ça en main, on va prendre ça, j'aime bien.
ramasses jamais rien, toi. Tu te fous de ma gueule? Complètement malade, celle-là. Enfin. Je sais pas ce que c'était cet endroit, mais c'est super beau. La logique voudrait qu'on aille là-bas, mais je pense qu'on va aller à gauche après. De toute façon, tout ça, c'est des comics. Attends, c'était quoi cet endroit? L'affiche. Un rassemblement de gens qui aiment ce genre de trucs. Des gens comme toi, quoi. On n'est pas né à la bonne époque. Ah. Donc on est toujours maintenant. Ça s'est arrêté en même temps. On peut ne pas aller trop vite, parce que je sais qu'on peut y aller par là-bas. J'imagine un petit campement ici, là, c'est trop la classe. T'es à l'abri de tout. Donc, j'ai vu qu'on pouvait passer par là-bas et monter. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Toujours des petits trucs à ramasser. Tac tac. On va faire ça plutôt. Tac 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 tac. Recharger notre petit revolver. D'idée. On peut essayer ça? Quoi? Et où on va aller en face? Qu'est-ce que tu disais? Tout à l'heure? Au sujet de Dina. Tu m'as dit qu'elle me le dirait quand... Quand tout sera réglé ici. Il y a un moment où ça va être difficile de le cacher. Ouais, j'espère qu'elle va vivre. Non. Et au loin, j'ai cru que c'était un corps. Je sais pas ce que c'est. Bon, allez, Jessie, on y va. Waouh. C'est un vrai bordel. L'aquarium. Il est juste à côté de la grande roue. C'est un chien. J'espère que Tommy a les mêmes infos. Ouf. Un petit peu loin quand même. Et merde. Va falloir y aller à la nage.
Bon les amis, je vais arrêter là pour cette nouvelle partie de la vidéo. Donc j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous. Moi je vous dis à bientôt. C'était XM, ciao.